Bonjour à tous. Je reprends ma participation au blog avec C'est lundi que lisez-vous, même si forcément le temps de chargement fait que mes vidéos sont enregistrées à l'avance, mais par contre mes articles sur le blog sont programmés pour le lundi matin. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un roman que je n'aurais pas forcément choisi, je l'avoue. Il m'a été proposé par l'auteur. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, ce serait bien qu'il me le dise s'il regarde cette vidéo. Parce que c'est assez surprenant, je vais vous en parler. Le roman s'intitule « Enquête et séduction » de Franck Esposito. Une couverture très sobre. Et ce qui est vraiment très étonnant, c'est qu'il est présenté, je vais vous lire en fait le résumé de l'auteur, parce que vous allez voir qu'après ce que je vais en dire va être très différent. Au départ, je l'ai vu comme un mélange de genres entre romance et polar. Vous voyez, c'est un roman qui est assez court, 200 pages, qui se laisse... À la limite, qui va alimenter votre pile à lire de l'été. Parce que c'est vrai que ça se lit très bien et ça coule tout seul. Par contre, c'est vrai que le côté romance, ça va être un secret pour personne. C'est pas du tout un genre littéraire que j'apprécie. J'ai fait une tentative l'été dernier parce que j'avais fait une lecture commune avec une copine. Je ne lui ai trouvé que des points négatifs à ce livre. Alors bon, c'est quelque chose, je crois, qui n'est pas fait pour moi, tout simplement. Hein. Et je vais tout simplement vous lire le résumé quatrième de couverture et vous laisser là-dessus 2 minutes pour vous laisser vous faire une idée. Ok ? Convoquée sur une scène de crime afin d'identifier le corps d'un informateur avec lequel elle travaillait, l'inspectrice, mais qu'elle ne veut pas, Laura Costa, ne peut cacher sa déception. Cet individu était le seul à pouvoir la renseigner sur l'effroyable affaire de prostitution d'adolescente dont elle est chargée. Profondément scandalisée par le sort réservé à ces jeunes filles, Laura décide de tout tenter pour démanteler ce réseau. Son enquête s'avère d'autant plus complexe qu'elle doit collaborer avec Harry Weston, un détective craquant, résolu à retrouver la fille de l'un de ses amis qu'il soupçonne d'être la victime de ce trafic. Laura peut-elle faire confiance à cet homme séduisant, indépendant et mystérieux? Harry, en tout cas, semble déterminé à ne pas la perdre de vue, sans doute parce que personne ne connaît mieux qu'elle le milieu de la pègre lyonnaise, mais surtout... à cause d'une profonde attirance qui les pousse l'un vers l'autre. Quand je l'ai lu, la première fois, et d'ailleurs c'est toujours intéressant de relire parce que j'y vois pas forcément la même chose, vous allez rire, mais c'est vrai que j'ai vraiment retenu le côté... pardon, j'ai essayé de rester habillée jusqu'à la fin de la vidéo. J'ai vraiment retenu le côté attirance. Et c'est vrai que je savais pas trop dans quoi je m'embarquais. C'était assez particulier. Mais j'ai été embarquée dans cette lecture. Alors, roman sous polar. C'est vrai que, bon, le résumé m'a donné
m'a donné, il y a enquête et séduction, donc m'a donné le côté séduction, c'est ça que j'ai retenu, mais par contre, il y avait quand même la bonne surprise. C'est une enquête vraiment addictive et bien menée d'ailleurs, qui m'a fait oublier le côté que j'avais vu au départ romance. C'est vrai que dans ma lecture, j'ai pas forcément fait attention. Et bon, c'est vrai que Harry Weston, dont parle le résumé, je suis sûre qu'il va plaire à beaucoup de lectrices parce qu'il a un certain charme, une caricature. Et moi, j'ai préféré ses mauvaises manières, quelque part. Mais celle de l'enquêteur, qui ne reste pas effectivement dans les règles, mais c'est le côté enquêteur qui m'a plu. Et bon, c'est un personnage qui a vraiment de nombreuses qualités. Mais Laura Costa est présentée tout de suite avec un physique de rêve, une élégance incomparable, mais comme une flic, quand même. Alors moi, je parlerai pas de romance. Et pourtant, je vais vous lire une citation qui présente. Je vous la lirai après, mais je me suis posé la question, d'ailleurs, de ce qu'était une romance, après tout. J'étais restée sur. Ça remonte. Une collection qui sortait à l'époque. Et mon père m'avait ramené les exemplaires presse. Et même si j'avais, je sais pas, j'étais jeune, j'avais pas 15 ans, déjà ça m'a semblé guimauve et chiant. Apparemment, c'est pas quelque chose. Et je me suis demandé ce qu'on rentrait finalement dans cette catégorie de romance. Et il est communément admis que la romance, c'est un roman d'amour populaire. Enfin, un roman d'amour universel, hein, je ne sais pas s'il y a quelque chose d'universel, mais qui est centré sur une histoire sentimentale entre deux personnes visant à émouvoir le lecteur par une fin heureuse. Alors, quand j'ai lu ce... Bon, cette catégorie, je me suis dit normal. Parce que je ne suis pas du tout du genre à m'émouvoir dans les fins heureuses. Ni à m'émouvoir du tout de ce genre de truc d'ailleurs. Et la question du style littéraire était plus un jeu pour moi, parce que je ne crois pas qu'enquête et séduction puissent rentrer dans cette définition. Alors, c'est vrai que j'invite toujours, je vous invite toujours à le lire et à venir en discuter avec moi, parce que bien sûr, la façon dont moi je l'ai perçu, plus ou moins interprété forcément, c'est ma façon à moi. Et c'est pas parce que je l'ai vu comme ça que vous le verrez comme ça. D'ailleurs, j'ai lu un truc pas très sympa sur Babelio. Donc comme quoi, effectivement, c'est amusant de voir aussi ce qu'un lecteur peut ressortir d'un roman. Pour moi, l'aventure, elle est beaucoup plus subtile que le style. De toute façon, les premières lignes m'ont entraînée dans une rue bien mal famée de Lyon. Et ça n'avait absolument rien de romantique. Voilà. Je vais pas tellement développer l'histoire du roman, je vais plus donner mon ressenti parce que je trouve déjà que le résumé de la quatrième de couve en dit beaucoup. Peut-être un peu trop. Mais je vais vous parler des personnages, des deux principaux personnages qui, moi, je les ai trouvés très énigmatiques, autant l'un que l'autre. Alors, il y a une description de l'apparition de la flic. Harry n'avait pas quitté la jeune femme du regard depuis le moment où il avait vu la portière de la voiture s'ouvrir sur une paire de jambes sublimes. Inutile de dire qu'il avait apprécié le spectacle, sa façon de se mouvoir surtout.
l'avait séduit. Voilà. Donc ça, par contre, côté introduction, je trouve que la réaction masculine est très réaliste. Effectivement, dans le regard qu'un homme porte sur une femme qu'il ne connaît pas, d'ailleurs, il n'avait pas du tout idée qu'elle puisse être de la police, cette femme, ben, j'évolue dans un milieu où il y a quand même pas mal d'hommes et c'est vrai. Ouais, c'est vrai que la pensée première, elle est là. Mais de voir une belle blonde, voilà, et il va déjà se faire toute une petite idée dans sa tête et s'imaginer des tas de trucs. Mais en général, et là c'est ce qui se passe aussi avec Harry, il va rapidement revenir à la raison parce que il va découvrir la carte professionnelle et donc l'entrée de cette femme sur le lieu du crime. Harry, lui, était en compagnie de l'indic, de cette belle Laura, qui insiste sur le terme inspecteur. Donc, comme moi, elle n'aime pas féminiser tout et n'importe quoi. J'ai bien aimé ça, d'ailleurs. C'est vrai que j'apprécie pas du tout ce côté, vous savez, on féminise tout. Un auteur, pour moi, reste un auteur, que ce soit une femme ou un homme. Ça n'enlève rien au côté féminin, à mon sens. Enfin, c'est pas... Oui, d'accord, c'est pas le sujet. Non, c'est vrai. Enfin, si, parce que ben, il lui dit inspectrice et elle le corrige en revenant sur l'inspecteur. Voilà. J'ai bien aimé. Et comme Harry, n'est-ce pas, était en compagnie de cet indic qui s'est fait buter... Eh bien, il se retrouve au poste pour expliquer déjà ce qu'il faisait là. Et franchement, c'est pas le, enfin pour lui, c'est pas trop le moment d'user de son charme. Voilà. Il est face à quelqu'un qui est déterminé et qui n'est là que pour avoir des réponses pour son enquête et pas du tout pour quoi que ce soit d'autre. Et il y a un recadrage qui est très 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 amusant. Alors, la question aussi, c'est qui est Harry ? Parce qu'il reste toujours très évasif sur ses activités. Laura, elle est totalement insensible aux regards qui sont posés sur elle. Elle est toujours concentrée sur les faits. Il y a Joe, son indic, a été assassiné alors qu'il discutait avec Harry. Alors, c'est qu'est-ce qu'il faisait là ? Pourquoi ? Et... Et je vous laisse imaginer la suite. J'ai trouvé cette plume, la plume de Franck Esposito, particulièrement addictive. Parce que, ben, c'est vrai que je l'ai montré, c'est un roman qui est court et qui se lit tout seul. Et je l'ai lu d'une traite. Voilà. C'est une lecture très facile. Il y a une plume qui est fluide. Je crois que les mots sont choisis aussi pour que ce soit vraiment... Il n'y a pas de longueur, c'est... On vit l'action à chaque moment et il y a une tension qui n'a pas de... qui reste. Voilà, une tension. Oui, une tension, il y a un suspense, il y a beaucoup de questions. Elle reste tout au fil des pages. Voilà, c'est un concentré. Donc il n'y a pas... c'est vrai qu'il n'y a pas de description particulièrement longue ou quoi. C'est... Tout est concentré et ben on suit l'histoire. Quand c'est des romans qui sont assez courts, c'est vrai que moi souvent, ben si c'est ce genre de plume, ça a tendance à m'embarquer et voilà, et j'arrive à la fin. Il y a déjà qui a assassiné Joe. C'est la première question qui est posée, mais qui est quand même rapidement mise un peu en dehors, enfin, quoique, mais
Parce que les réseaux de prostitution vont vraiment venir en premier plan avec cette jeune fille aussi disparue que Harry recherche. Et Harry va s'inviter dans cette enquête, parce que comme ça, bah, grâce à Laura, il a accès à pas mal de trucs. Et je crois que elle, ça l'arrange aussi beaucoup d'avoir un rebelle qui n'est pas forcément soumis à des procédures, quelles qu'il soit. Et il est efficace. Il est secret, mais efficace. C'est une aventure qui est vraiment pleine de rebondissements et ce duo, il est vraiment improbable. Moi, j'ai trouvé que c'est assez extraordinaire. Et j'ai suivi, voilà. J'ai suivi la plume, je me suis pas posé de questions et j'ai accordé effectivement aucun intérêt au jeu de la séduction. Pour moi, ce roman est resté un polar. Voilà, oui, un polar, parce que le côté qui vise à émouvoir la lectrice par la fin heureuse, c'est vrai que moi je crois pas. Enfin, ça fait longtemps que les contes de fées, j'y crois plus. Par contre, il y est, la séduction, elle y est dedans. Selon votre façon de lire, vous lui donnerez beaucoup d'importance ou pas. Enfin, tout au moins, c'est mon avis. Et je suis sûre que ça. Je suis sûre que c'est un roman qui va plaire autant aux lecteurs de polar qu'aux lecteurs de collectrices, plus souvent, faut être honnête, de romance. Il y a un jeu de séduction. Alors j'en dirai pas plus là-dessus, parce que bah, comme je vous l'ai dit, moi j'ai pas. Je l'ai trouvé très riche. Voilà, c'est un roman que j'ai trouvé particulièrement riche. Parce que de temps en temps, j'ai été quand même arrêtée par une phrase ou quelques mots sur cette fameuse description ou certaines scènes, un certain contexte. Par contre, l'enquête est. J'ai trouvé l'enquête sérieusement très bien menée et pourtant, j'ai toujours dit qu'on ne fait pas un bon polar en 200 pages. Comme quoi. Comme quoi, voilà, comme quoi, c'était pas une vérité absolue. Alors, il y a le sexe, c'est sûr, parce qu'il y a la prostitution. On en parle énormément, c'est quand même le sujet d'ailleurs. Il y a la séduction, donc est-ce que c'est de l'amour? Là, je pose un point d'interrogation. Mais l'auteur a ouvert une porte. Celle d'une réflexion qui est quand même assez intéressante. En opposition, pareil, avec l'enquête d'un côté, la séduction de l'autre. Enfin, moi, j'ai trouvé plein d'oppositions comme ça. Et il y a la femme objet d'un côté. C'est celle qui s'est retrouvée dans la rue, qui n'a pas d'autre possibilité que de vendre son corps, finalement, pour essayer de s'en sortir. C'est généralement pas trop un bon moyen. Puisque c'est quand même prendre le risque d'être piégé par la nuit et de se mettre en danger par rapport à aussi beaucoup d'autres problématiques. Donc il y a ça, il y a ces jeunes aussi, puisque c'est dit, hein, elle essaye de démanteler un réseau de prostitution d'adolescente, pour pas utiliser un autre terme. Mais de l'autre côté, il y a la femme flic et elle est aussi assez mystérieuse. On se demande ce qu'elle fait là parce qu'elle est vraiment intouchable, elle est vraiment inaccessible, elle est presque envoûtante. Et la question c'est mais qu'est-ce qu'elle fait là? Et puis qui sait d'ailleurs? Parce que il y a vraiment un contraste, un énorme contraste. Et je me demande aussi si l'auteur voulait vraiment nous inviter entre ces deux mondes. Parce que dans ce cas-là, le titre, Enquête et séduction, pourrait prendre une autre signification, beaucoup plus profonde. Et là, par contre, je ne peux pas vraiment dévoiler quoi que ce soit. Je vous invite à le découvrir.
Ouais, je sais. C'est bac philo en ce moment. Alors... En tout cas, les personnages principaux, ce qui est étonnant, c'est que... Alors, sans forcément vous déballer ma vie, mais le... il y a eu beaucoup de... Il y a eu une forte chaleur ici, dans le sud-est de la France. Tout ce qui est numérique chez moi, qui est déjà pas au top en général, parce que je suis dans un coin paumé, mais là, ça a été une catastrophe. Et tout ce qui est... Bon, j'ai pas forcément du matériel performant, on est d'accord, mais tout ce qui est ordinateur, caméra, ben, je pouvais pas faire grand-chose. C'est vrai que je, enfin, moi ça me dérange pas. Après, c'est vrai que quand je promets à un auteur de chroniquer son bouquin pour une date, j'aime en général la respecter. Et là, c'est vrai que ça a fichu un peu en l'air mon petit planning, voilà. Mais il s'est donc écoulé un certain temps entre ma lecture et la possibilité de reprendre. J'avais pas vraiment pris de notes, parce que comme je vous l'ai dit, je l'ai lu vraiment d'une traite. Mais il y a beaucoup de livres que j'ai lus il y a un mois ou deux, dont je pourrais vous parler comme ça sans le ressortir. Et bien là, j'ai été vraiment surprise, parce que quand j'ai commencé à sortir papier, crayon, clavier. Je l'ai relu. Du coup, c'est bien. C'est bien, ça m'a fait deux lectures. Et autant les personnages que l'histoire n'ont pas marqué mon esprit en profondeur. Alors, peut-être que c'est parce que c'est vrai que la lecture, elle est rapide, elle est... je sais pas. Enfin, quoi que, parce que ben, là, je suis en train de lire un bouquin aussi. Finalement, on pourrait les rapprocher, parce que je suis en train de lire un livre de Garance Solvay qui parle justement de la... enfin, des femmes, en général, et du prix de la liberté féminine. Ben... On peut le rapprocher, parce que la prostitution, c'est aussi essayer d'en sortir, c'est aussi une libération féminine, même si je suis tout à fait consciente qu'il y a aussi des hommes qui se prostituent. Il y a quand même, on parle, enfin, je sais pas, il y a à mon, enfin, ouais, je crois qu'il y a plus de femmes. Du coup, le sujet, il est quand même percutant. Eh ben non, j'avais des souvenirs tellement flous que j'ai préféré le relire, et je l'ai relu avec autant de plaisir que la première fois. C'est ça qui est marrant, et je crois que je pourrais encore le relire. C'est très spécial, très particulier, et voilà. Non, par contre, moi je vais rouspéter. Je vais mettre en introduction, enfin vous l'avez du coup déjà vu, mais je vais mettre la couverture que j'ai trouvée sur le net. C'est une couverture qui représente quand même pas mal l'idée qu'on se fait de cette femme. Bah moi, j'ai le modèle minimaliste. Mais c'est vrai que la couverture qui est présentée est vraiment, vraiment jolie, vraiment, vraiment, vraiment attirante. Et ça fait aussi un contraste. Cet exemplaire que je vous montre, qui est très minimaliste, est celui que vous trouverez probablement, je sais pas, mais en tout cas, ben, comme c'est présenté comme ça, je suppose que la couverture a été modifiée. Et c'est vrai que cette jolie femme a un visage qui est très expressif. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vous laisse découvrir. C'est vraiment un petit roman super. Si vous partez en vacances, voilà, si vous prenez un week-end. C'est vraiment un petit roman
vraiment à lire comme ça, c'est agréable. Je suis pas sûre que c'est ce qu'on attend, mais moi je le trouve tout simplement agréable. Et alors je pose, moi j'ai toujours une thématique quelque part. J'aurais peut-être pu faire philo, mais la question n'est pas forcément posée. C'est quelque chose que j'en ressors moi et qui m'a marqué en troisième lecture. Alors peut-être que c'est comme il y a certains films, je me souviens de bandes dessinées quand j'étais beaucoup plus jeune, où c'était des choses que je pouvais relire tout le temps. Et je découvrais tout le temps quelque chose de nouveau dans le dessin, dans le texte, dans... Et ben là, je crois que c'est pareil. Si je le relis une quatrième fois, je vais y retrouver autre chose. Donc assez extraordinaire. Et ben, je lis pas trop. Je lis pas d'ailleurs ce que les autres ont pensé avant, parce que je veux pas être influencée. J'ai juste vu les quelques mots parce que sur Babelio, je mets ma bibliothèque de lecture, mais et du coup, je vais aller les voir maintenant. Et puis, comme ça, je saurai si d'autres ont vu ce que j'y ai vu et différentes. Peut-être qu'ils y ont vu autre chose et que c'est intéressant et que je vais le relire avec ce nouveau regard. Donc, je vais conclure en disant que finalement, c'est peut-être vraiment un livre à se procurer pour pouvoir le relire. Je vais m'arrêter là pour là-dessus. Franck Esposito, je le remercie pour m'avoir fait découvrir ce livre. J'ai déjà lu. Je l'ai déjà lu sous une forme totalement différente, mais je crois que j'en parlerai un peu plus tard. Et c'est un auteur qui est marseillais et qui est visiblement un grand voyageur. Je suis allée voir son site blog et c'est vrai qu'il y avait des photos de voyage. C'était assez sympa. Je mettrai quelques liens. Vous aurez aussi l'occasion de le faire. La semaine prochaine, vous allez le voir. Vous allez voir la photo. Qui va suivre. Je vous parlerai d'un livre. Alors là, franchement, c'est assez exceptionnel. La chronique, je l'ai déjà faite. Mais je me suis amusée à la faire à cheval puisque le titre, c'est Attention chevaux. Mais vous attendez pas à un truc sur. C'est pas du tout une lecture. C'est un roman. Hein. Voilà. Donc on en parlera et je me suis amusée à commencer cette chronique avec Gaïa, puisque, n'est-ce pas, Ganesh n'était pas décidé à m'aider. Je vous parlerai, ou je peux déjà vous en toucher deux mots d'ailleurs, les crins du bar de l'association a beaucoup avancé ces derniers temps, parce que pas d'internet dit qu'on s'occupe à faire autre chose. On a donc commencé à dégager les terrains, déjà à déménager ce qu'on avait. Donc effectivement, il y a des lieux où on ne va plus. Il y a un salon qui s'organise. Bon, on va faire un salon des auteurs indépendants. Il n'y aura pas que des auteurs indépendants. Il peut y avoir aussi des petites maisons d'édition, dont une est d'ailleurs marseillaise. Voilà, des petites maisons d'édition, mais à taille humaine, avec des auteurs que généralement j'ai chroniqué. Si j'ai jamais chroniqué vos bouquins, merci de me faire passer les titres, un extrait, quelque chose avant. Parce que forcément les places vont être limitées et il y aura. Je rappelle que cette association est aussi protège la biodiversité et apprend à l'humain à retrouver sa nature en faisant de l'éducation à l'environnement. Et pour moi, la lecture est
est une très bonne base. C'est quelque chose de fabuleux. Bon, là non, mais souvent dans mes lectures, je parle, enfin, je lis des dystopies d'un futur possible, de ce genre de choses, et qui donc forcément a un rapport avec l'environnement, puisque souvent les dystopies, nous sommes passés de l'astéroïde qui nous rentre dans la tête à effectivement la montée des eaux, le réchauffement climatique et donc tout ce qui pourrait en découler, imaginaire ou pas d'ailleurs, parce que finalement, il y aura donc bien sûr ces auteurs qui seront là et qui dédicaceront leurs romans. Mais il y aura aussi quelques artisans locaux qui vous présenteront je ferai je les présenterai petit à petit. Et puis je serai là aussi, les chevaux seront là, puisque la bibliothèque nomade est en place et va commencer. Bon là on finit vraiment de préparer tout ce qu'on a à préparer, les terrains. Mercredi on reçoit l'abri, donc voilà, il y a pas mal de débroussaillage à faire. Vous aurez des photos, vous aurez tout ça. Mais on va démarrer en septembre réellement. Et en septembre, la petite surprise, c'est que vous aurez nous aussi notre premier mag. Alors le mag va retrouver, va, vous allez y retrouver des auteurs, puisque quelques-uns se sont joints à cette cause au niveau environnement, animal et effectivement lecture, de lecture, d'atelier, d'écriture. On va faire vraiment quelque chose qui soit festif et qui ne soit pas juste un simple salon de dédicace. Je vous en dis pas plus. Donc après, attention chevaux, c'est vrai que je vous l'ai montré tout à l'heure, donc je vais en parler. Je vous parlerai de Cheveux au vent. Je l'ai quasiment terminé, c'est pareil, c'est un. Alors, je suis sensible au sujet. C'est pas forcément après le cas de tout le monde. Ça touchera peut-être beaucoup moins que Enquête et Séduction, qui vraiment, je crois, peut plaire vraiment à tous les lecteurs. Alors là aussi, mais c'est là, ça insiste beaucoup plus sur la cause féminine, puisque beaucoup de femmes dans le monde doivent risquer leur vie pour avoir une indépendance. Et c'est vrai que c'est ce sujet qui est très très bien développé sous forme de roman. Voilà. Donc je vous en parlerai. Peut-être avec un peu trop de passion, mais bon. Mais en attendant, la semaine prochaine, on s'amuse et on chronique à cheval, en espérant que la prochaine fois, Ganesh sera un petit peu plus participatif. Parce que là, franchement, c'était clairement non. Je vais vous souhaiter une très bonne semaine. On se retrouve ben, très bientôt. Alors, à la prochaine!